Chaque coin de l'Algérie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, était au rendez-vous de la commémoration de nos martyrs de la guerre de libération nationale. Cette journée nationale du Moudjahid, qui coïncide avec le double anniversaire de l'offensive du Nord Constantinois le 20 août 1955 et du congrès de la Soumam le 20 août 1956, était tout recueillement et abnégation à la mémoire de ceux qui ont payé cher le prix de la liberté et de l'indépendance. Plusieurs activités ont émaillé cette fête nationale avec projection de films sur notre guerre de libération nationale, organisation de conférences, exposition photographique sur les hauts faits de la période 1954-1962. Mais pas seulement. Cette année, les enfants à travers le pays étaient particulièrement mis au parfum de cette célébration, alors que les aînés, acteurs de cette histoire glorieuse, leur narraient et leur valorisaient ces hauts faits et ces victoires.